Oh là les amis! Alors, elles sont là, vous les voyez pas. Donc, surprise cette semaine de voir des premières tomates. Et voilà. Alors cette année, alors je sais pas ce qui se passe. C'est fou, hein? On les voit bien. Il y en a là, j'en ai sur celui-là. C'est sur les fameuses top 3 que je vous ai présentées sur une précédente vidéo. Donc vous voyez, c'est parti. Hein. Donc ça, c'était les plants que j'ai fait mi-février. Mi-fin février. Pour n'en déplaise à Monsieur Alexis. Hein. Donc mi-février, ça s'est bien comporté. J'ai planté donc début avril. Oui, début avril. 15 jours en avance. Et voilà, voilà où ça en est, ça se porte très très bien. Il y a des tomates. Donc là, ouais, Jaco, t'as vu? Je fais ça bien. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est les sachets d'organza pour protéger les fleurs, pour que voilà, je vais garder les graines de tomates, pour être sûr que la variété soit pas mélangée avec une autre, hein, qu'elle soit ne s'hybride pas. Même si les tomates, ça a peu de chances de s'hybrider. Voilà. Donc voilà, conserver la variété pure, on va dire. Donc voilà, je fais ça proprement, façon Jaco, qui va sûrement bientôt faire une nouvelle explication avec. Mais bon, tout simplement, moi, grosso modo, sur mon deuxième bouquet, avant que les fleurs s'ouvrent, on met un sachet. Bon, t'as vu, Jaco, hein, taille XXXXL. Hein. Ah, c'est pas grave. Donc on met ça. Avant que ça ouvre, voilà, les fleurs sont en train de s'ouvrir. On tapote pour polliniser. Et voilà, bam, bam, bam. On tapote, bam, 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 ça pollinise. Et voilà, voilou. Donc je fais ça sur le deuxième bouquet. Donc je surveille, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc là, il y a un bouquet. Vous voyez, là, il y aura un deuxième bouquet. Là, ça va s'ouvrir. Donc là, je vais faire un petit sachet. Et après, je mettrai un petit élastique, un bandeau, un je ne sais quoi, pour repérer et garder les graines de cette branche. Donc voilà, les amis, petit suivi des tomates en serre. Ah, je vous remonte hein, parce que c'est beau. Hein. Je me dis début mai, je vois déjà des tomates, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc allez, je vous embête pas plus longtemps avec ce petit suivi et je vous dis... Ah, je vais tomber, à bientôt!